Donc alors mon parcours en post-master, donc moi je suis issu de la filière STAPS. Donc j'ai commencé mes études dans le management sportif, donc à la base pour faire de l'événementiel. Voilà, je vois que donc voilà effectivement dans ce cadre-là, moi j'étais très loin de l'ergonomie, je voulais faire de l'événementiel sportif, donc organiser des courses ou autres, ou alors participer au développement d'un club, tout ça. Donc en lien avec tout ça, bah, à côté, moi j'étais sportif, je suis toujours, mais voilà, j'étais dans le club, dans un club de BMX à côté de chez moi à Orléans. J'entraînais des jeunes et puis je remplaçais sur les groupes compètes. Et puis à côté de ça, j'étais bénévole sur beaucoup d'événements. Donc le Tour de France, on a différentes courses à Orléans, voilà des événements à Chambord, enfin un peu tout. À la fin de ma licence, donc j'ai commencé à chercher du travail dans ce métier-là. Sauf que bon, vous le savez peut-être pas, mais le métier de l'événementiel, notamment en sport, il est assez bouché. C'était assez compliqué. Et il se trouve que dans notre master, bah, enfin notre licence, on avait des cours d'initiation à l'ergonomie, et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs l'ergonomie. Et après une petite année de recherche infructueuse, je me suis dit bon bah, pourquoi pas aller chercher un master. Dans cette discipline-là qui était vraiment intéressante au vu de la présentation qu'on avait eue. Et donc, je me suis inscrit et j'ai été pris dans le master et je me suis lancé. Donc voilà. Donc là, vous pouvez aller voir sur le site. Donc, le master, bah, il se déroule en 2 ans, comme tous les masters. Les petites spécificités, c'est que là-bas, vous allez travailler, enfin, si vous voulez y aller, vous allez travailler sur l'ergonomie de l'activité avec donc des intervenants issus de différentes disciplines. Contrairement à d'autres, enfin, on n'a pas beaucoup d'intervenants ergonomes, si vous voulez, mais on a des enseignants-chercheurs qui viennent de différentes comment, disciplines. Donc voilà, en biomécanique, en sociologie, en psychologie. On commence à avoir de plus en plus d'ergonomes. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous apprend immédiatement à travailler en pluridisciplinarité, parce que voilà, c'est primordial et c'est essentiel dans le travail d'ergonome. Je pense que la grosse plus-value de ce master, ça va être la professionnalisation. C'est-à-dire que pendant le M1, vous avez un stage de 9 semaines, donc qui est rémunéré. Vous pourrez trouver que c'est un peu plus compliqué de trouver un stage rémunéré, mais au contraire, en fait, ça nous entraîne à faire de candidatures et puis à postuler. Et la plus-value, c'est surtout pendant la deuxième année de master où on est en alternance. Donc voilà, c'est 2 semaines à l'université, 3 semaines en entreprise, mais en fait, c'est variable au fur et à mesure de l'année. Il y a des périodes où vous allez être plus en entreprise, des périodes où vous allez être plus à l'université. De souvenir, la période de Noël, vous êtes beaucoup à l'université. Et après, la période après Noël, on est beaucoup en entreprise. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant parce que l'alternance, contrairement au stage, enfin moi de mon ressenti en tout cas, c'est que vous allez être vraiment intégré à la vie de l'entreprise. Vous allez suivre des projets sur toute l'année, au long cours, vous allez devoir caler vos projets en même temps que vos projets d'entreprise, en même temps que vos projets de master. Et donc ça c'est hyper professionnalisant et je trouve qu'on n'a pas le même rapport aux professionnels quand on passe par là. Parce qu'on est dans la structure, on pilote nos propres projets. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je vous invite à essayer l'alternance, que ce soit dans ce master-là ou un autre. Hein, je crois qu'il y a d'autres masters qui le proposent. Après, en termes de spécificité, comme je vous ai dit, vous n'allez pas avoir tant de spécificité que ça. C'est-à-dire que l'approche pédagogique du master, ça va être de vous ouvrir à énormément d'approches. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien de la conception que de la santé sécurité au travail, que un petit peu du UX, là, ça vient d'arriver, bah, c'est arrivé l'année dernière, du FOH. En fait, vous allez avoir une introduction à un peu tous les pans de l'ergonomie, et après, ce sera en fonction de votre lieu d'alternance et de vos projets que vous allez vous allez approfondir certains points. Parce que voilà, ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'apprentissage par soi-même à travers la littérature scientifique. Donc, on va vous apprendre à lire des textes, savoir comment repérer les informations,
à creuser aussi certains thèmes, donc les recherches sur les différents moteurs de recherche, donc Google Scholar, PubMed et autres. Et après, en fait, avec tout ça, vous allez vous spécifier dans certains domaines et toujours en lien avec votre approche professionnelle. Et ça, pour moi, c'est ça qui est très, très important dans ce master-là. Voilà, si... Voilà, donc au niveau de mes stages, moi, mon premier stage, je l'ai fait auprès du SDIS 45, donc pour faire simple, c'est les pompiers du Loiret, où j'étais affilié ouais, au service de santé et de secours médical. C'était de l'analyse de l'activité très basique, et puis on a fini sur, en fait, on avait un manque d'espace, on est parti sur du réaménagement au travail. Comment parler de ce stage? C'est une première expérience dans le milieu de l'ergonomie et pas la meilleure parce que bon, je suis pas forcément fier de ce qu'on est ressorti. C'était pas très intéressant, mais voilà, ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'activité et de me rendre compte des lacunes que j'avais. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vous rentrez dans ce cursus, faut pas hésiter à tester des choses, quitte à se rater. Moi là, bon, c'était pas raté, mais c'est pas exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à vous, voilà, à tester des choses, quitte à vous planter. Moi, je trouve que c'est intéressant. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. On a travaillé sur des personnes qui étaient en reclassement, donc d'anciens pompiers qui pouvaient plus intervenir, et on travaillait sur les magasins, c'est-à-dire là où on a tous les outils d'intervention qui sont distribués aux pompiers en activité. On a les tenues, donc les tenues de feu et autres, et après tout ce qui va être bureautique, donc les stylos. Donc voilà, c'était pas très très intéressant. Enfin si, c'était intéressant, mais comme je vous ai dit, un peu dommage. Et donc voilà, donc, je sais pas si tu as mis l'alternance après, ce sera peut-être plus intéressant à évoquer. Voilà, c'est ça. Donc, mon alternance que j'ai effectuée chez SKF, donc SKF qui produit des roulements à billes pour l'aéronautique. Là-bas, j'étais vraiment, comme je vous ai dit, intégré au service HSE. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fait des missions transverses, donc avec les HSE, donc, qui sont pas marquées là, mais c'était des missions qu'on peut faire en fait au long cours sur une année quand on travaille en entreprise, c'est-à-dire par exemple des analyses de poste, remplir là c'était la grille TMS Pro, donc remplir la grille TMS Pro sur les postes, faire la cartographie, cibler les zones d'intervention. Et à côté de ça, pour mon mémoire, donc j'avais ciblé une zone en particulier qui était la zone de montage où on avait des femmes qui assemblaient des roulements à billes par eux-mêmes, enfin manuellement quoi. Et donc, moi, cette intervention, j'ai suivi toute l'année. On avait des grosses problématiques, donc on était sur des TMS, localisés au niveau du canal carpien, mais ça pouvait remonter en épicondylite et puis au niveau de la coiffe des rotateurs. Ouais, je vois là qu'aussi, on a animé des groupes de travail, on a fait un e-learning aussi pour faire de la sensibilisation. Mais bon, je vais revenir sur l'intervention. Et donc, sur cette intervention, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait peu de moyens de mécaniser, donc on ne pouvait pas se passer du travail manuel. Et du coup, on était beaucoup parti sur la question de la compétence et de comment les personnes mettent en œuvre leur savoir pour assembler les roulements et surtout pour se protéger. Comment ils réduisent la force nécessaire pour monter le roulement et ainsi de suite. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la formation, elle se faisait. Enfin, il y avait un côté assez social du fait que la formation en fait, se faisait en fonction de qui on avait à côté de soi, de nos groupes d'amis et autres. Et ce qui, en fait, on avait des groupes comment dire, des groupes de savoir qui existaient, des groupes de savoir-faire qui existaient, qui différaient entre les différents groupes d'amis, si vous voulez, pour faire simple. Et donc, ce que moi, j'essaie de chercher à faire, c'est capter toutes les différentes façons de faire, donc grâce à la vidéo, en prenant des vidéos, en analysant très finement les mouvements, par des entretiens d'explicitation pour demander aux personnes les sensations qu'ils avaient, à quel moment ils utilisaient telle technique, et ainsi de suite. Et on faisait aussi de l'autoconfrontation en leur montrant des vidéos pour qu'ils nous expliquent, bah là, tu vois, je me suis mis comme ça parce que je sentais que la matière elle était un peu plus épaisse, du coup, ça me permettait de me réduire. Et dans l'idée, on a fait un peu comme Et après, on a fait un peu comme Yves Clos a fait dernièrement, c'est-à-dire qu'on a mis tout ça en débat autour de la table pour trouver les meilleures façons de faire.
Donc voilà, ça c'était hyper intéressant. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un gros côté social et de RPS un peu sous-jacent toutes ces questions-là. Il y avait des tensions entre le manager et puis les différents groupes sur le terrain. Et là, c'était aussi le rôle de l'ergonome de savoir faire la passerelle et de faire parler tout le monde et de les faire parler ensemble, si vous voulez. Parce que c'était assez compliqué. Il y a des personnes qui ne voulaient pas se parler, il y avait des grosses tensions. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on trouve assez vite, surtout quand on évolue dans des milieux où il y a des TMS, où il y a des maladies professionnelles. Pas forcément de stress au travail, mais on veut dire une personne qui a mal au travail, qui est blessée au travail, bah forcément elle est pas au max. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux pendant cette expérience et qui me sert beaucoup aujourd'hui pour réussir à temporiser les différents points de vue de chacun, et puis aussi pour prendre du recul, pas prendre à cœur les malheurs de certains et certaines qui peuvent être véridiques, hein, bien sûr, mais voilà, faut pas prendre sur soi, faut bien prendre le concret et se servir de ça pour faire parler les gens. Et les gens, en fait, l'acceptent très bien. Même les personnes qui peuvent avoir du mal, si on leur parle vraiment de choses concrètes, de terrain, bah, la majeure partie du temps, elles comprennent et ça permet d'avancer là-dessus. Donc voilà. Voilà, derrière, voilà, il y a le résumé. Hein, derrière, on a travaillé sur tout ce qui était le savoir incorporer, les personnes qui ignorent un peu ce qu'ils font parce qu'ils font de manière automatique. Passerai, qui est plus sur le développement du geste. Et puis encore passerai. Et puis voilà, pas du Vermeer, du Daniel Dubi. Hein. Ça, c'est de la littérature. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire. Donc, dans le cas où vous serez en étude, qu'est-ce que vos projets futurs bah, écoutez, ouais, oui, effectivement, ouais. C'est vrai que j'ai pas parlé de mon poste actuel. Ouais, moi j'ai eu une insertion professionnelle un peu difficile parce que je suis sorti en 2020 et donc on était dans la période où on alternait entre confinement, déconfinement, reconfinement, donc c'était un petit peu dur. Mais voilà, faut pas, pour tout le monde qui sort du travail, en fait, enfin, qui sort du diplôme, il y a de la place, hein, en tant qu'ergonome. D'ailleurs, on le voit dans ces années-là, hein, les jeunes diplômés trouvent assez rapidement du travail. Donc, c'est un métier qui est en évolution. Donc, même moi, si j'ai eu des difficultés, bah, on n'a aucun problème à trouver du travail. Avant la crise, si vous voulez, dans mon master, les nouveaux diplômés enfin, mettaient entre 1 à 6 mois pour trouver un poste. Ça vient peut-être du fait qu'on était professionnalisant ou qu'on savait se rendre en entretien, donc c'est aussi important, mais en tout cas nous on n'avait pas vraiment de problème pour trouver du travail, mis à part voilà, ma promotion. Avant d'être à la MSA, moi j'ai trouvé un premier poste dans un cabinet de prévention sur Lyon qui s'appelle Ovipro, voilà, où j'ai été amené à travailler dans différents secteurs, hein, des labos de conception, des labos comment expliquer, un labo vétérinaire, il a été dans des industriels, du service, du tertiaire. Donc là j'ai vraiment pu, comme vous avez dit tout à l'heure, expérimenter beaucoup de modèles d'intervention différents, beaucoup de procédures différentes, donc c'était hyper intéressant. Et après, bah, j'ai voulu retourner par chez moi, donc vers Orléans, et donc j'ai rejoint la MSA Beauce-Cœur de Loire en tant que conseiller en prévention. Pour parler rapidement du métier de conseiller en prévention à la MSA. Donc la MSA, c'est la Mutualité sociale agricole. C'est en gros la caisse d'assurance maladie pour tout ce qui est agriculteur et puis métier associé. Donc ces personnes payent une cotisation, comme nous tous, hein, dans le régime général. Et en fait, dans ces cotisations, ils ont droit à une offre de service de conseiller en prévention. Donc on va se rendre dans les exploitations, on va voir les différents travailleurs, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi ceux qui s'occupent des espaces verts, on va voir les bûcherons, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a des éleveurs d'escargots, un petit peu tout, des éleveurs bovins et autres. Et donc on va les voir, et puis ils nous parlent de leurs problématiques, et nous notre travail, bah, c'est de réduire la pénibilité. On est un peu comme tout ce qui va être un service de santé au travail, mais pour le côté MSA. Donc c'est des missions assez courtes. En général, on est là sur quelques jours, un jour ou deux, sauf d'autres cas, genre sur la conception de bâtiments, où là on y passe un petit peu plus de temps.
Mais voilà, on ressemble à des à des à des à des comment à des ça ressemble au travail de cabinet, mais on n'a pas ce côté enfin moins ce côté financier, c'est-à-dire que comme ils nous payent pas directement pour l'intervention, on est dans une relation moins client client prestataire et plus vraiment collaboratrice. Donc c'est hyper intéressant comme comme travail, très très varié. Et surtout, on a une grande liberté d'action pour mettre en place des projets ou développer des nouvelles choses. Donc, c'est un poste qui, pour l'instant, m'intéresse grandement. Puis on verra par la suite. Voilà, il me semble que la suite, ça va être sur les projets futurs, je crois. Je vais directement trouver votre poste, je peux vous présenter une mission de poste actuelle. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour, si on passe aux questions. Ok, bah écoutez, si vous voulez, on peut peut-être passer à des questions. Là, je vois qu'il y en a une. Attends, le stage, j'ai rassurant pour la recherche, mais du coup, comment vous allez vous débrouiller pour trouver les stages en M1 et M2? Pour trouver les stages et les alternances, si vous voulez, on a un réseau d'ergonomes, d'anciens diplômés qui nous envoient des offres. Après, nos profs, en général, nous envoient aussi des offres, mais c'est à nous de postuler et puis de faire les démarches. En sachant qu'on a aussi des cours, on a des cours avec des personnes qui nous apprennent à construire un CV, une lettre de motivation, et puis à nous présenter à l'entretien. Et après, bah, c'est à nous de nous débrouiller, de les contacter, passer les entretiens et ainsi de suite. Combien de temps j'ai pris pour trouver? Moi, le stage, je l'ai trouvé tout de suite, une connaissance de chez les pompiers qui m'ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un et j'ai postulé, je l'ai trouvé en septembre. Je l'ai trouvé en septembre de ma première année, alors que ça commençait après, donc ça a été. Et l'alternance, je l'ai trouvée en juin, mars, avril, mai, juin. Ouais, mai, juin, peut-être. J'ai trouvé mai, juin, donc ça a été assez rapide. En sachant qu'il y a quelque chose qui peut un peu freiner quand on sait, c'est-à-dire que même si on a trouvé un stage ou une alternance, l'université nous oblige à faire au moins 3 entretiens pour le stage et 3 entretiens pour l'alternance, même si on a déjà trouvé notre entreprise. Ça, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est pour s'entraîner à faire des entretiens et pour être préparé après au monde du travail quand on finit notre diplôme. Donc voilà, et c'est vrai qu'en fait, l'avantage qu'on a à faire un entretien quand on a déjà une entreprise, c'est qu'on n'a pas la pression de vraiment se permettre d'y aller et puis progresser. Donc moi, ça m'a fait un peu chier sur le coup, mais c'est vrai que après, je pense que ça a été une bonne chose. Ça permet de développer pas mal de compétences. Voilà. S'il y a d'autres questions. C'est un réseau associatif. Enfin, on avait une association, je ne sais pas trop où ça en est, je vous avoue. On avait une association où on faisait le lien avec les différents. Avec les anciens du master. Et donc, c'était géré par des personnes qui étaient actuellement en études. Donc, moi-même, j'ai été président de l'asso. Donc, le but, voilà, c'était de garder en relation tout le monde. Il y avait une newsletter pour tout le monde. Enfin, voilà, ça me permettait, nous, si on avait des questions sur des projets précis aussi, de les contacter. C'était assez facile de les contacter. Par exemple, je pense notamment à un qui travaille dans le BTP. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans le BTP, donc ils pouvaient facilement avoir son numéro pour l'appeler, avoir des informations, et ça pouvait marcher, voilà, sur différents secteurs. Donc c'est très très intéressant à avoir. Et en plus de ça, on conservait aussi les mémoires de chaque étudiant. Donc quand on était en train de rédiger les mémoires, bah, c'était bien de pouvoir s'appuyer sur quelque chose, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en faire. Donc voilà. Non, il n'y a pas de quoi. S'il y a d'autres questions, je suis dispo. Ou alors je laisse ma place, je crois que c'est Paul qui récupère après moi.
C'est ça. Donc on va pouvoir passer au prochain participant, à moins qu'il y ait une question qui apparaisse pendant que je parle. Le prochain participant, ça va être Paul Fortabat. Merci beaucoup Théo d'avoir participé au webinaire et d'avoir expliqué ton parcours. Merci à vous et puis merci pour votre initiative. Bon, bonne journée. Bonne journée.